Commode, c'est votre espace consacré à la promotion des entreprises présentes ici sur le site du Salon des Affaires Promode, le Salon international de l'entreprise, de la PME et du partenariat de Yaoundé. Un salon qui s'est ouvert le 19 février dernier et qui va s'étendre jusqu'au 27 février prochain. Le Salon Promode qui, ce jour, en est rendu à sa quatrième journée d'exposition et d'activité en général. Une quatrième journée qui a vu la présence d'invités de marque comme le ministre de la Communication, René-Emmanuel Sadi, qui est venu se rendre compte de l'effectivité des activités ici sur le site du Palais des Congrès. Et juste à quelques pas de nous, une belle surprise, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale qui vient de faire le tour du propriétaire et qui va faire un tour ici au stand de Canal 2 International. Ne l'oubliez pas, nous le disions d'ailleurs, le journal de promo, c'est cet espace commercial qui vous permet d'assurer la visibilité de vos produits et services, de venir communiquer sur vos activités, vous qui êtes entreprise du secteur public ou du secteur privé, vous qui êtes entrepreneur, promoteur de petites et moyennes entreprises, vous qui êtes start-upper, c'est l'espace dédié à vos communications. N'hésitez donc pas à faire un tour sur le stand de Canal 2 International. Nous allons recevoir, si c'est possible, avant de recevoir le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, nous démarrons donc sur les chapeaux de roue. C'est avec une auto-école qui marque sa présence ici sur le site du Palais des Congrès. C'est l'auto-école CASA, présente dans toutes les 10 régions du Cameroun. L'innovation cette année, c'est qu'elle prodigue des cours ici en présentiel et même en ligne sur le site de Promote. On regarde cet élément et on revient derrière. À travers le pays, un citoyen, un permis de conduire, le taux école CASAP marque sa présence sur le Salon des Affaires Promote 2022. Si nous sommes présents à Promote, c'est pour déjà présenter les produits que nous offrons, c'est-à-dire la formation en conduite automobile. Le leitmotiv ici, c'est bien se former avant, bien conduire après. L'école de conduite a donc aménagé un programme sur mesure pour les exposants et les visiteurs. Auto-école CASAP a cela de particulier qui vous permet de vous inscrire et de commencer la formation directement ici dans nos stands. En termes d'innovation, l'entreprise forme également les formateurs. Les inscriptions se font en présentiel sur le stand à des coûts promotionnels. Les coûts de 150 000 francs pour le permis B, nous sommes revenus à 50 000 francs. Et au niveau déjà des inscriptions, ici à Promote, vous pouvez bénéficier avec nos commerciaux des prix préférentiels. Au lieu de vous inscrire à 10 000 francs, vous avez la possibilité de vous inscrire chez nos commerciaux à partir de 7 000 francs jusqu'à 2 000 francs même. Les inscriptions en ligne sont également d'actualité ici, grâce aux services modulables offerts par l'entreprise. Après avoir payé mes 2000 francs de frais d'inscription, je viens de recevoir mon message qui confirme que je me suis inscrit en ligne à l'auto-école CASAP et je pense que je vais bien faire avec parce que c'est l'auto-école de référence au Cameroun. Si l'auto-école CASAP est venue présenter ses produits, elle saisit également les opportunités qu'offre le salon Promote pour faire du networking. Retour sur ce plateau. Nous sommes en présence du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Orona. Le ministre toujours plus proche de vous est là. Il a fait le tour du propriétaire. Un peu essoufflé peut-être avec ces marches qu'il a montées. Monsieur le ministre, bonjour. Oui, écoutez, là vous posez le premier problème que je me pose. Je crois que le site commence à être dépassé par l'événement. Il faudrait qu'on trouve un site plus adapté à ce type d'événement. Mais malgré cela, j'ai monté les marches, comme vous dites. C'est très agréable par ce qu'on voit, par la créativité des Camerounais, par les nouvelles technologies dans lesquelles les Camerounais baignent déjà et par les innovations qui viennent à travers le monde. Donc je crois qu'on ne peut être très satisfait de visiter. Et il faut vraiment prendre le temps de visiter parce qu'il y a beaucoup de choses et beaucoup de choses intéressantes à voir. Un stand peut-être qui aura marqué votre attention pendant ce tour? Ben écoutez, moi le stand qui m'a le plus marqué là, c'est tout ce qui est transformation agricole. Ça c'est, et puis cette volonté de voir les jeunes Camerounais
aller vers l'agriculture. Je crois que c'est très prometteur. Un secteur qui verra peut-être le domaine manufacturier prendre un coup de pouce, faire un bond en avant, comme le disait le président du syndicat des industriels du Cameroun. Et s'agissant de votre domaine qui est le travail et la sécurité sociale, avez-vous été satisfait par ce que vous avez vu? Ben, quand on voit tout ça, on ne peut que avoir de l'espoir pour l'avenir, parce que c'est autant de nouvelles entreprises qui vont se créer. Et qui dit nouvelles entreprises, qu'elles soient des micro ou des macro entreprises, c'est des créations d'emplois. Donc pour nous, ce n'est que du pain béni, et pour le pays, cela doit accroître l'employabilité, diminuer le chômage et peut-être l'éradiquer, parce que les possibilités dans l'agriculture aujourd'hui sont énormes, dans l'élevage aussi. Donc moi, je suis, en tant que ministre du Travail et de la Sécurité sociale, je suis plutôt très optimiste et je suis plutôt plein d'espoir pour ce qui pourra se faire demain. Merci, monsieur le ministre, d'être passé par ce stand. Je vous en prie. On ne va pas vous retenir plus longtemps. On vous laisse poursuivre votre tour du propriétaire après quelques minutes volées comme ça à l'arraché pour s'intéresser à présent à une autre organisation bien présente sur ce salon des affaires promote. Il s'agit du Conseil national des chargeurs du Cameroun. N'entendez pas par chargeurs ceux qui mettent vos bagages dans les bus et autres. On parle bien de navires, on parle de bateaux. On parle de promotion du commerce international. On regarde et on revient. Dans la zone réservée aux entreprises du secteur portuaire et maritime, le Conseil national des chargeurs du Cameroun, CNCC, établissement public administratif, dévoile ses charmes. Il est important pour nous de mettre au fait des opérateurs du commerce international sur tous les services qui leur sont rendus par le CNCC, en précisant que la plupart de ces services sont gratuits. Quelques grandes annonces. Pour cette année 2022, nous allons inaugurer probablement avant la fin du premier semestre, le centre de vie de Ngouletan, à deux pas de la ville d'Ayos. Et normalement, avant la fin du second semestre, du centre de vie de Kousseri, à l'extrême nord. Là, je peux vous confirmer que les travaux du futur centre de vie du CNCC à Garoua-Boulaye ont effectivement commencé. Dès le mardi 22 février 2022, à partir de 14h, le CNCC donne rendez-vous dans son stand pour des sessions de sensibilisation sur des sujets comme le CNCC au service des PME pour un commerce extérieur dynamique, comment exporter, comment importer, la contribution du CNCC pour une chaîne logistique compétitive. Une organisation qui peut en cacher une autre. On parle à présent d'une ONG. Il s'agit de la GIZ. Vous l'avez bien compris. On parle de coopération allemande qui est présente sur ce site et qui, depuis hier, milite en faveur de la protection de l'environnement. Il parle de déforestation. On regarde cet élément. Quatre coopératives hors nature, Cotrano, Minta et Emergence Bande, venus présenter les produits pour lutter contre la déforestation. Ici, vous avez la coopérative hors nature de Yokadouma, qui fait dans les produits forestiers non ligneux aussi. La coopérative Cotramo de Lomier. Et de l'autre côté, vous avez la coopérative avec conseil d'administration Emergence de Mbang. Pour y parvenir, elles mettent à leur disposition de nombreux produits considérés comme phares. Il s'agit par exemple de l'huile de Ndjansan qui naturellement, sans mélange, apaise les douleurs gastriques. Il y a le Mwabi, le Mbonme Djap, c'est comme ça qu'on appelle communément, qui lui a des vertus sur la peau, beaucoup plus, et les cheveux, ça hydrate la peau et ça l'adoucit. Après ça, nous avons aussi comme produit phare le beurre de mangue sauvage. Le beurre de mangue sauvage, lui, c'est un puissant antioxydant qui
nous permet de renforcer notre système immunitaire. Pour une bonne qualité des produits, l'entreprise met des moyens à travers des matériaux de qualité. Nous aujourd'hui, avec l'appui et l'accompagnement de la GIZ, nous avons eu des machines. Avec ces machines, nous pressons ces produits à froid. À froid, et ça permet que les huiles sont de très bonne qualité et gardent toutes leurs vertus. Et nous sommes d'abord très heureuses, très fières d'être à ce rendez-vous commercial. C'est un rendez-vous commercial pour nous, où nous devons venir rencontrer les autres investisseurs du Cameroun et ceux d'ailleurs. À travers ces produits forestiers non ligneux, l'entreprise entend lutter contre la déforestation et préserver l'environnement. Protéger l'environnement, lutter contre la déforestation, c'est également promouvoir le Made in Cameroun avec tous ces produits dont regorge la forêt camerounaise, l'Afrique en miniature. Et un groupement qui promeut le Made in Cameroun, c'est le groupement interbancaire et monétique d'Afrique centrale, le JIMA, qui est bien présent sur ce salon. Ils sont là et comptent bien le savoir. On écoute cet élément qui en dit plus sur leurs activités. Le groupement interbancaire monétique de l'Afrique centrale est présent et représenté par son directeur général à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de Promo 2022, 8e édition. Nous venons à Promo pour une quantité d'opportunités de transfert d'argent, de paiement numérique, de mobilité à l'intérieur de la SEMA. Pour une très grande intégration sous-régionale et pour booster le commerce à distance. Il s'agit d'une plateforme baptisée Jimar Pay qui intègre plusieurs moyens de paiement. Nous sommes un acteur qui est au centre des paiements digitaux, que ce soit par carte, par mobile, par transfert. Déjà dans la SEMAC, mais au-delà de la SEMAC. Disponible dans les pays de la CEMAC, elle a lancé la commercialisation de ses offres de services monétiques. Nous desservons les 6 pays. Nous avons les 54 banques qui sont connectées au JIMAC, qui utilisent la carte JIMAC, qui est un formidable outil de paiement. Nous avons raccordé au JIMAC la plupart, les 11 opérateurs de mobile money de la sous-région pour faire ce qu'on appelle l'interopérabilité des mobiles. Nous recevons aussi à travers des agrégateurs la plupart des transféreurs d'argent internationaux qui peuvent distribuer l'ensemble de leur transfert d'argent dans les wallets cartes, les wallets mobiles et les comptes, avec même un concept nouveau qu'on appelle l'instant paiement. Créé en 2012 à Douala, sous la forme des JE, le groupement interbancaire monétique de l'Afrique centrale donne la possibilité à la population de pouvoir transférer de l'argent à travers le monde. On reste dans le domaine de la banque et de la finance avec cette entreprise, j'ai cité Wafa Cash, qui fait dans des services d'envoi et de réception d'argent, un service qui compte pas moins de 850 points à travers les 10 régions du Cameroun. Ils sont également présents sur ce salon à forte connotation économique. Les possibilités d'avoir cet élément avec le concours de la technique. On va à présent s'intéresser à l'entreprise leader en ameublement au Cameroun. Il s'agit bien de Vision Confort qui, depuis le premier jour d'ouverture des portes de ce salon international de l'entreprise, de la PME et du partenariat de Yaoundé, a ouvert ses portes dans son showroom. Il vous invite d'ailleurs à y faire un tour. On découvre ce qu'il y a de beau de ce côté-là. Vision Confort expose ses portes sculptées en bois massif dans son stand Promote 2022. Nous vous présentons nos portes en bois massif sculptées avec des finitions
irréprochable. Vous pouvez remarquer la finesse des décorations. Comme une invite à passer le pas de la porte de cette entreprise leader en ameublement, elle s'ouvre à vous majestueusement. Que ce soit pour meubler des grands espaces, vous avez un hôtel en construction et vous souhaitez y poser des portes, vous pouvez nous contacter. Que ce soit des foyers, vous avez construit votre jolie maison et vous souhaitez qu'elle soit à votre image, vous pouvez également nous contacter. Ces portes sont un pur produit d'artisans camerounais. Le savoir-faire made in Cameroun, valorisé et adapté aux besoins d'une clientèle sélecte et exigeante. Pour les foyers qui veulent, après une dure journée de labeur, retrouver le calme, ils sont sûrs que les bruits des véhicules ne vont pas rejoindre le domicile. Vous voyez les pommelles. Les pommelles sont assez solides et les serrures atypiques. Vision Confort, c'est la qualité, l'originalité, le stock et des prix sur devis. Nous ne voulons pas venir présenter le prix aujourd'hui en disant « Ok, vous pouvez venir chez nous acheter cette porte à tel prix ». Le client qui est intéressé peut venir dans notre stand pour aller en magasin. Nous allons lui faire un devis et on va lui donner le prix le plus préférentiel. Le stand de Vision Confort, à l'image de ses magasins, est bien achalandé. Il est situé à l'entrée secondaire de gauche après le portique de Promote. Même si les portes sculptées sont l'attraction centrale du showroom, l'occasion vous est donnée de découvrir les plus beaux bijoux d'ameublement à des prix défiant toute concurrence. Et pour pouvoir s'offrir ces beaux bijoux d'ameublement, il faut bien sûr de l'argent. Le service Wafa Cash vous permet d'envoyer et de recevoir de l'argent partout au Cameroun et même au-delà. On regarde l'essentiel qui constitue leurs activités et on revient. Ce sont de véritables spécialistes dans les services financiers de proximité, disposés à répondre à toutes les attentes des nombreux visiteurs qui marquent un temps d'arrêt dans leur stand, ici au Palais des Congrès de Yaoundé. Wafa Cash, c'est une équipe jeune expérimentée qui assure rapidement et en toute sécurité les services du cash dans les 850 points de vente actifs à travers les 10 régions du Cameroun. Cette offre, toujours plus innovante, également implantée au-delà de nos frontières, ambitionne s'étendre dans la sous-région Afrique centrale et d'en devenir la référence en matière de transfert d'argent et de tout service de proximité. Wafa Cash est une filiale du groupe Wafa Cash Maroc, qui est également une filiale du groupe Atidjari Wafa, troisième groupe bancaire africain. Alors Wafa Cash au Cameroun depuis 2015, nous avons lancé nos activités en 2017. Wafa Cash offre des services de transfert internationaux et nous pouvons nous vanter au bout de 4 années d'exercice d'être le leader sur le marché des transferts internationaux au Cameroun, mais également nous offrons un service de transfert national qui est le Cash Express pour tous les transferts, envoi et retrait d'argent à l'intérieur du Cameroun. Wafa Cash assure un service de qualité à la hauteur de toutes vos exigences. Service fiable, rapide et sécurisé, dans un cadre flexible et non contraignant. Ces différents services s'offrent à vous à Promote Acte 8. Wafa Cash n'est pas venu sur le salon Promote pour avec une agence, donc nous n'offrons pas, nous faisons pas d'opération directement dans le stand. Vous avez vu que c'est un stand aménagé comme une salle de réunion parce que nous sommes venus en fait rencontrer nos partenaires, nos futurs partenaires, parce que comme je l'ai dit, nous sommes en expansion, nous sommes en train de développer nos nouveaux produits, donc nous rencontrons des prospects, des personnes qui souhaitent probablement être sous-distributeurs de Wafa Cash, franchiseux de Wafa Cash, ou qui souhaitent en tout cas travailler avec Wafa Cash. Donc nous approchons ces personnes-là, nous les recevons dans notre stand, nous allons vers eux. C'est essentiellement pourquoi Wafa Cash est présent sur le stand Promote, mais bien sûr dans toutes nos agences actuellement, on parle de 850 agences à travers le territoire national, nous continuons d'offrir nos services d'envoi, retrait d'argent, paiement de facture, etc. Et bien sûr, pour toutes les personnes qui viennent sur le stand Promote, d'ailleurs il y a un challenge lancé sur les réseaux sociaux qui font des photos, vous avez la possibilité de repartir avec de nombreux lots, donc nous vous attendons pour tous les renseignements et même pour les talents qui ont envie d'intégrer l'équipe, la brillante équipe et dynamique de Wafa Cash. Vous pouvez venir déposer vos CV directement ici et nous allons vous accueillir et vous renseigner pour toutes les questions que vous avez sur Wafa Cash. Une
oreille tout attentive vous attend sur place. Vous devez recevoir ou envoyer de l'argent à vos proches vers différentes villes du pays. Vous souhaitez envoyer de l'argent à vos salariés, pensionnaires, régler vos fournisseurs, entre autres. Une seule adresse, Wafa Cash. Wafa Cash se développe avec le Camerounais, c'est pour ça que nous disons Wafa Cash avec vous, pour vous, partout, parce que Wafa Cash désormais a développé le produit d'encaissement pour compte de tiers, donc pour payer vos factures Eneo et Kamwata désormais. C'est une seule adresse chez Wafa Cash pour payer vos réservations de billets d'avion Royal Air Maroc. C'est également chez Wafa Cash. Avec Wafa Cash, tout devient simple. C'est la solution pour un service national. C'est prêt. Retour sur ce plateau où nous avons le plaisir de recevoir en ce moment même le ministre de la Communication, René-Emmanuel Sadi, qui est effectivement venu faire le tour du propriétaire pour non seulement rehausser de son éclat, de son aura, cette 8e édition du Salon des Affaires Promode, mais également se rendre compte, on l'imagine bien, de l'activité médiatique ici sur le site du Palais des Congrès. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Et bienvenue sur le centre de Canal 2 International. Merci. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir cet après-midi. Vous avez fait le tour du propriétaire. Première impression comme ça, à chaud, à la volée. Comment vous trouvez cette 8e édition? Bon, alors, je n'ai pas encore fait tout le tour. Oui. Mais d'abord, laissez-moi vous dire que je suis très heureux d'être à Canal 2. Vous savez que je connais Canal 2. J'ai eu un rendre visite à Canal 2. Pourquoi ? Parce que vous êtes l'une de nos chaînes qui font la fierté de notre pays. Vous êtes une chaîne majeure et donc je ne peux pas faire une visite comme celle-ci au moment où je visite les médias sans visiter Canal 2. Alors je vous félicite et je voudrais vous dire que nous sommes là devant une initiative qui a déjà de l'âge, qui est ancienne. Nous sommes à sa 8e édition. Et c'est une initiative importante pour le Cameroun, qui concourt à la promotion de notre pays, à la promotion de l'image du Cameroun, à la promotion de ses potentialités, de ses possibilités, et qui donne une image de son dynamisme, de sa vitalité économique. Et c'est bien que des organes de presse et des médias comme les vôtres, Canal 2, n'est-ce pas, concourent à cette projection de l'image du Cameroun, non seulement en Afrique, mais dans le monde. Alors les premiers sentiments que j'ai sont des sentiments de satisfaction, parce que je vois bien qu'il y a un bon nombre de stands, de participants. Si mes informations sont bonnes, le nombre s'élève à peu près à 800 participants. C'est remarquable. Et les participants qui viennent de plusieurs pays, pas seulement du Cameroun, mais des pays africains, des pays européens. Et ça, c'est déjà un signe que Promote, n'est-ce pas, s'est déjà affirmé comme une initiative remarquable de promotion commerciale et industrielle. Alors, je sais aussi que nos médias sont présents. Tout à fait. Canal 2 et d'autres, CRTV et bien d'autres. Et je vais visiter certains médias, pas tous, je n'aurai pas le temps de le faire. Mais je ne peux que vous féliciter et vous dire toute notre satisfaction. Nous, le ministère de la Communication et vous, les télévisions, les chaînes de télévision, nous sommes partenaires. Tout à fait. Et notre vocation, c'est celle de faire connaître, n'est-ce pas, le Cameroun dans toutes ses dimensions. Alors je suis venu justement pour vous encourager, vous dire toute ma satisfaction et mes encouragements. Canal 2 est un organe audiovisuel important, je l'ai dit. Et à chaque fois, nous viendrons, quand vous serez là, vous rendre visite. Et à travers vous, je demande que vous puissiez transmettre aux promoteurs de Canal 2, Monsieur Emmanuel Chatué, n'est-ce pas, toutes mes félicitations et mes encouragements.
Je n'y manquerai pas. Merci, monsieur le ministre de la Communication. C'était René-Emmanuel Sadi qu'on a pris comme ça en plein tour du propriétaire de ce salon des affaires Promote. Monsieur le ministre, merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie, madame. Alors, on vous souhaite bonne route et bonne continuation dans vos activités. Pour finir, on va conclure avec monsieur le ministre, le patron des médias. Pour finir, ce journal de Promote qui a connu plusieurs invités surprises, des cadeaux pour les téléspectateurs de Canal 2 International, partenaire média du salon Promote. On va s'intéresser, on va sortir sur les chapeaux de roue avec l'auto-école CASAP qui est bien présente sur ce site et qui offre des formations en présentiel et en ligne. À travers l'opération Un citoyen, un permis de conduire, l'auto-école CASAP marque sa présence sur le salon des affaires Promote 2022. Si nous sommes présents à Promote, c'est pour déjà présenter les produits que nous offrons, c'est-à-dire la formation en conduite automobile. Le leitmotiv ici, c'est bien se former avant, bien conduire après. L'école de conduite a donc aménagé un programme sur mesure pour les exposants et les visiteurs. Auto-école CASAP a cela de particulier qui vous permet de vous inscrire et de commencer la formation directement ici dans nos stands. En termes d'innovation, l'entreprise forme également les formateurs. Les inscriptions se font en présentiel sur le stand à des coûts promotionnels. Les réductions vont de 30 à 50% sur nos tarifs habituels. Et au niveau déjà des inscriptions, ici à Promote, vous pouvez bénéficier avec nos commerciaux des prix préférentiels. Au lieu de vous inscrire à 10 000 francs, vous avez la possibilité de vous inscrire chez nos commerciaux à partir de 7 000 francs jusqu'à 2 000 francs même. Les inscriptions en ligne sont également d'actualité ici, grâce aux services modulables offerts par l'entreprise. Après avoir payé mes 2000 francs de frais d'inscription, je viens de recevoir mon message qui confirme que je me suis inscrit en ligne à l'auto-école CASAP et je pense que je vais bien faire avec parce que c'est l'auto-école de référence au Cameroun. Si l'auto-école CASAP est venue présenter ses produits, elle saisit également les opportunités qu'offre le salon Promote pour faire du networking. Ce sera tout pour le journal de Promote 5e livraison. Nous sommes là en effet depuis un jour avant le début, l'ouverture des portes de ce salon de l'entreprise. Nous vous demandons, vous entreprises, promoteurs de PME, entrepreneurs, start-up, n'hésitez pas à venir communiquer sur vos activités ici sur le stand de Canal 2 International. Nos portes vous seront toujours offertes car vous le savez, c'est la chaîne toujours plus près de vous. Le journal de Promote s'achève. Nous nous retrouvons demain, même heure, 16h, vous le savez bien, avec d'autres entreprises qui viendront bien sûr offrir la visibilité à leurs services et produits, mais également d'autres invités. À demain.